parler, comme vous voyez le titre, de l'évolution des traitements anti-cancer. Et j'ai volontairement donné ce titre, des balbutiements de la radiochimiothérapie à l'âge d'or des traitements personnalisés. Parce que c'est maintenant le maître mot des traitements chez les patients atteints de cancer. Le titre ici résume en quelques phrases bien plus de 40 ans, même peut-être 50 ans, de recherche et aussi de traitement des patients en santé. Donc finalement, je vais faire un historique à travers les âges de ces traitements. Alors, en premier, quand on parle de cancer, parce que ce n'est pas clair dans la tête de tout le monde, eh bien, qu'est-ce que c'est? Il faut donner une définition. Et vous en avez un exemple ici. Qu'est-ce qui se passe quand un cancer arrive et quand un cancer commence à se développer? Eh bien, vous avez cet événement primordial, c'est-à-dire qu'une cellule va être soumise à un mutagène, un agent extérieur, quel qu'il soit, et c'est probablement ça qu'on comprend pas très très bien encore à l'heure actuelle. Mais quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, parce que cet événement primordial va entraîner le fait qu'une cellule, vous voyez ici, dans un tissu, dans un organe, quel qu'il soit, eh bien, va passer d'un état normal à un état qui devient anormal, qui commence à être pas très très bon pour le patient. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette histoire ici. C'est-à-dire que cette cellule initiale qui a subi un processus, eh bien, va commencer à se diviser de manière anormale, va commencer à proliférer. Et prolifération cellulaire, c'est peut-être le maître mot. C'est, si vous avez quelque chose à retenir, c'est probablement cette histoire. Une cellule qui ne se divisait pas, qui restait à l'état, on dit, quiescent, eh bien, va commencer à se diviser de manière anormale. Et donc, vous voyez, on passe d'un tissu qui est à peu près homogène à ce type de choses qui s'appelle une hyperplasie, c'est-à-dire des cellules qui commencent à se diviser. Et après ce processus de dysplasie, prolifération anormale, eh bien, vous voyez ici, il y a un cancer qui se développe, une masse anormale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être palpé. On a le cas de cancer du sein où on peut s'auto-évaluer pour la présence éventuellement d'un cancer. C'est quelque chose qui est énorme, qui n'est pas normal. Et donc là, on est quand même encore dans une situation qui est relativement bonne. C'est-à-dire, vous voyez, in situ. Ça veut dire que le cancer reste localisé. Et dans ce cas-là, très souvent, eh bien, la chirurgie suffit pour traiter le patient. Et là, on est dans le dernier stade. Vous voyez, maître mot ici, cancer invasif. C'est-à-dire que eh bien, les cellules qui ont proliféré, non seulement elles prolifèrent beaucoup, elles forment une masse anormale, mais elles ont la capacité de s'échapper du site initial. Et à partir du moment où il y a dissémination, et là, vous avez dû sûrement entendre ce mot, métastase. Métastase, qu'est-ce que c'est? C'est la tumeur qui était présente ici, in situ, au niveau de l'organe, eh bien, qui a commencé à aller dans d'autres organes, à disséminer dans d'autres parties du corps. Donc, vous voyez, ce schéma qui est excessivement simple résume un petit peu ce qui se passe dans le processus cancéreux. Alors que dans ce stade, 90%, on peut dire, des patients peuvent être guéris simplement par chirurgie, en enlevant la partie qui est malade. Malheureusement, dans ce cas-là, quand le cancer a disséminé, eh bien, on est dans un stade qui est pratiquement incurable dans 100% des cas. Donc vous voyez qu'entre ça et ça, il y a un monde. Et à ce niveau-là, eh bien, c'est là où on doit pouvoir intervenir. Okay. Donc fort de ce schéma, eh bien, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ce que je vais essayer de vous décrire, notamment en termes de traitement. Et c'est pour ça, vous voyez, mon titre est assez éloquent dans ce cas-là, c'est-à-dire les progrès de ce dont vous avez tous entendu parler, la radiothérapie, vous avez entendu parler de ça, les rayons, ce que les gens appellent les rayons, et également la chimiothérapie, c'est-à-dire des drogues, eh bien, qui vont essayer de traiter avec tous les effets secondaires dont vous avez dû sûrement entendre parler. Et finalement, quand on regarde un petit peu l'historique de tout ça, de ces traitements, eh bien, on se rend compte
quand on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte que finalement, tous ces traitements et la mise au point de ces traitements, c'est fait de manière très, très empirique et très souvent aussi observationnelle. C'est une observation, tiens, ça, il y a quelque chose qui se passe, tiens, ça peut peut-être marcher, sans finalement un fondement scientifique très, très élaboré, en tout cas, il y a 40 voire 50 ans. Okay. Eh bien, une des premières observations, quand on parle cette fois-ci de chimiothérapie, ça, c'est probablement quelque chose que tout le monde a en tête, la Première Guerre mondiale. Tout le monde a en tête ça. Et tout le monde a entendu parler des gaz qu'ont utilisés les soldats pendant la guerre. Et donc, qui étaient absolument terribles. Mais finalement, si on peut trouver, parce qu'on peut trouver quelque chose de bon dans tout, eh bien, on a eu ça. On a trouvé quelque chose de bon là-dedans. C'est-à-dire que chez les soldats qui avaient été exposés au gaz, on a fait des autopsies. Après l'exposition au gaz moutarde, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a eu comme observation? C'est ça. Hypoplasie, lymphoïde et myélosuppression. C'est-à-dire que ces gaz, ou les soldats qui avaient été touchés par ces gaz, ils voyaient certaines cellules de leur moelle ou certaines cellules de leur tissu lymphoïde qui avaient disparu. Et donc ça, cette observation finalement relativement simple, a mené à une première expérience. Et les expériences de Guildman et Goodman, vous voyez ici, 1942, c'était assez longtemps après la guerre, à dire, si ça peut marcher sur ce tissu lymphoïde, pourquoi ne pas essayer justement ces dérivés de ces fameux gaz moutarde à des doses évidemment beaucoup moins importantes? Est-ce que ça pouvait avoir un effet thérapeutique? Et donc, première expérience par ces médecins, chercheurs, on peut les qualifier de chercheurs à l'époque, ils ont observé qu'il y avait une réduction, chez l'animal en tout cas, première expérience, très très intéressante. Et ça menait en même temps, par un autre médecin, un chercheur, le premier essai, finalement, chez l'homme, sur un lymphome non-hodgkinien, peu importe, sur une forme de lymphome particulière, avec, justement, une rémission de quelques semaines de la personne qui avait été traitée. Et donc ça, c'est probablement une des expériences fondatrices pour dire, vous voyez ici, que l'injection systémique d'une drogue pouvait avoir un effet thérapeutique chez le patient. Et ça a été la première chose qui a été faite. Donc, régression tumorale, et vous voyez, première observation, évidemment, les médecins chercheurs de l'époque avaient vu, c'était un constat. Donc c'est pour ça que je parlais d'empirisme, de ce type de choses. Mais en tout cas, ça a été la première fois que ça a été fait, et plusieurs années plus tard, au moins 20 ans plus tard, on a découvert le mécanisme moléculaire associé à l'efficacité de ces drogues. Autre type de drogue, les médecins connaissent très bien, ces fameux antifolates, et ça a été une découverte, vous voyez, 1937, liée à l'observation qu'une fameuse vitamine pouvait stimuler la prolifération des cellules leucémiques. Et donc c'est à la suite de cette observation, encore une fois, de manière très très empirique, qu'il y a eu des développements de ces fameux inhibiteurs pour traiter des leucémies aiguës lymphoblastiques qui étaient absolument très très graves. Et aussi, ces fameux traitements ont traité pour la première fois des tumeurs solides, et c'était la première fois qu'on pouvait guérir certaines tumeurs par chimiothérapie. Ce médicament, qui ont été isolés à l'époque, ce nom-là, vous pourrez peut-être le voir, c'est un médicament qui est toujours utilisé à l'heure actuelle. Découvert il y a très très longtemps, mais toujours utilisé à l'heure actuelle. Et ce qu'il y a de bien avec ce médicament, vous voyez qu'il est maintenant utilisé dans d'autres pathologies, notamment l'arthrite rhumatoïde, qui est une pathologie majeure actuellement. Donc, aussi, grâce à ce médicament, d'autres chercheurs ont eu l'idée d'associer deux types de drogues. Ce médicament, le méthotrexate, avec une autre drogue qui avait été mise au point à l'époque,
Et là, c'était la première fois qu'on pouvait dire, tiens, c'est intéressant, il y a une drogue qui existe, mais si on la combine à une autre, eh bien l'effet peut être additif, voire synergique. Et donc, c'était la première fois, ici, qu'on utilisait ce que l'on fait actuellement. Vous voyez ce qu'on appelle de la thérapie adjuvante, c'est-à-dire dans, vous voyez, dans ces cancers qui sont excessivement agressifs, je vois Annie et Heidi là-dedans, ostéosarcome, c'était la première fois qu'on pouvait dire post-chirurgie, on pouvait associer des médicaments qui empêchaient des rechutes à long terme. Ça, c'est la caractéristique de la chimiothérapie qu'on dit adjuvante, après la chirurgie. Et donc, encore une fois, beaucoup et plusieurs années plus tard, on a découvert le mécanisme moléculaire qui a permis également, un petit peu plus tard, la mise au point d'autres médicaments encore plus efficaces. Donc, là, vous voyez, observationnel. Mais après, dans les années 60, eh bien, il y a eu des très, très gros programmes aux États-Unis pour dire, est-ce qu'on pouvait tirer de la nature des produits d'intérêt biologique? Et ça, c'était un programme qu'a lancé le National Cancer Institute aux États-Unis. Eh bien, pour dire, est-ce qu'on peut trouver dans la nature des produits qui marchent, qui sont anticancéreux? Et là, vous en avez un exemple. C'est la pervenche de Madagascar. Vous voyez, hein, les gens ne sont pas allés chercher dans leur jardin, hein. Ils sont allés chercher très loin. Pervenche de Madagascar, qui a permis la découverte, à partir de cette plante, de deux produits majeurs, vinblastine, vincristine, et qui ont, je vais en discuter plus tard, qui ont eu des évolutions un petit peu plus tardives, notamment pour la mise au point de composés un petit peu moins toxiques. Autre produit phare, que certains d'entre vous ont peut-être dans leur jardin pour faire des haies de votre jardin. Ici, c'est l'IF. Alors, à ce niveau-là, vous voyez, c'est un IF qui a été découvert dans des îles du Pacifique. C'est de là qui a été purifié une molécule qui s'appelle le taxol. Et là, ça a fait une polémique énorme à l'époque, quand ça a été découvert, parce que vous voyez ici, dans mon petit résumé, il fallait des énormes quantités de plantes pour purifier ne serait-ce qu'un petit peu de produit pour traiter un seul patient. Mais donc a été découvert notre IF, un IF que l'on trouve, je disais, dans nos jardins, qui permet d'avoir un petit peu plus de produits, on va voir comment après. Un autre produit aussi naturel qui a permis la mise au point de produits qui sont excessivement actifs à l'heure actuelle, notamment un produit qui s'appelle la camptothécine et qui a été ensuite un petit peu modifié pour donner ce produit irinotécan qui est utilisé de manière très importante dans les cancers du côlon à l'heure actuelle. Enfin, et on ne peut pas parler, quand on cite le centre scientifique, on ne peut pas ne pas parler de produits marins. Et ça, c'est probablement un des exemples majeurs. Ce fameux produit, la trabectidine, qui est commercialisé sous le nom de Yondelis, qui a été isolé grâce à des cribles d'organismes marins par une société qui s'appelle la société Pharmamar, et qui a eu l'idée de cribler des produits d'intérêt biologique à partir d'organismes marins. Et cette molécule, vous voyez, isolée d'un organisme marin très très simple, eh bien, permet de soigner certains cancers à l'heure actuelle. Vous voyez, tous ces produits, encore une fois, c'était de manière très très empirique, c'était des cribles très très importants qui n'étaient pas toujours évidents à faire. Et c'est là où le Cancer Institute aux États-Unis a fait de très très gros efforts pour dériver des modèles très très intéressants pour cribler à grande échelle ces molécules. Mais s'il y a quelqu'un qui est probablement majeur dans ce dont je vous parle à l'heure actuelle pour augmenter l'efficacité des produits naturels, eh bien c'est bien ce monsieur, Pierre Potier. Pierre Potier, c'est lui qui a fait ça ici, vous voyez, Taxus baccata, par rapport à l'IF dont je parlais avant, isolé des IF du Pacifique, c'est lui qui a permis ce qu'on appelle une hémisynthèse, c'est-à-dire à partir d'un produit naturel, eh bien, de pouvoir en faire des quantités inépuisables pour traiter les patients. Et
ce monsieur, on peut le dire, eh bien, a aussi obtenu à partir du produit naturel vinblastine, eh bien, justement, la navelbine, qui est maintenant utilisée de manière courante dans tous les hôpitaux internationaux. Donc, ce monsieur, Pierre Potier, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut de chimie de Paris, médaille d'or du CNRS également. Donc, c'est un monsieur absolument remarquable. Mais pourquoi il s'est lancé là-dedans, dans la découverte de produits naturels anticancéreux? C'est parce que, malheureusement, son épouse est décédée d'un cancer du sein. C'est à la suite de ça, et je regarde Denis dans la salle, vous voyez, grâce à ça, on peut construire, malgré des histoires terribles, eh bien, on peut faire des choses absolument extraordinaires derrière. La radiothérapie, tout le monde a entendu parler de ça. Tout le monde connaît cette dame, Marie Curie, donc, qui a découvert le radium et qui, grâce à ça, eh bien, a permis de démontrer que l'on pouvait traiter certains cancers avec des irradiations. Donc ça, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Plusieurs prix Nobel, vous le savez. Et ça, ici, c'est un appareil de radiothérapie, vous voyez, 1925. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait avec ces fameux appareils? Eh bien, on pouvait irradier des patients, irradier des tumeurs, mais ce qu'on ne savait absolument pas faire, c'est régler le faisceau pour irradier la tumeur sans irradier l'ensemble de la pièce et toutes les personnes qui étaient dans la pièce. Donc ça, on ne savait pas faire. Vous voyez, dans ce contexte-là, eh bien, les médecins ou l'infirmière qui était à côté prenaient autant de radioactivité que le patient qui est là. Donc les avancées qui ont été faites de manière absolument extraordinaire, vous voyez, on est de cet appareil basique. On a actuellement ce type d'appareil dans les centres de lutte contre le cancer, entre autres, qui permettent notamment, et c'est ça un peu le maître mot, c'est de cibler les rayons à un endroit le plus précis possible, qui est déterminé par des programmes informatiques pour cibler et pour irradier spécifiquement la zone tumorale en épargnant évidemment les tissus sains pour avoir le moins d'effets secondaires possible. Donc la radiothérapie, simplement un résumé, ici. Beaucoup de patients sont irradiés, mais ici, vous voyez, quelques mots majeurs. 100 cancers guéris sur 40. Donc, pardon, 40 guéris sur 100 cancers traités. Place prépondérante dans la conservation des organes qui sont atteints. On parle notamment ici, j'ai un exemple en tête, de mélanome qui se passe au niveau de l'œil. Le seul traitement qui marche sur ce type de pathologie, ce sont les rayons. Sinon, on retire l'œil. Donc, traitement conservateur. Aussi, très très important pour soulager les symptômes, notamment de tumeurs qui sont présentes dans des organes à risque, je pense à des métastases, en particulier au niveau de la colonne vertébrale, qui sont excessivement douloureux. Eh bien, des tumeurs de l'os, par exemple, qui sont excessivement douloureux. Et quelque chose qui n'est pas négligeable dans ce dont on parle actuellement, c'est le coût de ce type de traitement qui est relativement faible. Donc vous voyez, là j'ai fait un historique, là j'ai résumé en quelques minutes pratiquement 50 ans d'études sur le cancer. Mais vous voyez que c'était fait toujours de manière très très empirique, c'était observationnel, c'était des cribles sans avoir une idée en tête. Et ça a été ça peut-être la révolution de ces dernières années. Et ça, cette révolution n'a pu être faite que par les progrès de la recherche. Et c'est peut-être ça le maître mot. C'est à partir du moment où on comprend, on fait mieux. Et à partir du moment où on a une cible, on va trouver un médicament. C'est peut-être ça l'idée. Alors vous voyez sur cette diapo, eh bien, j'ai résumé ce qui peut se passer dans la cellule tumorale dont je vous ai parlé au tout début de mon topo. Différentes choses peuvent se passer. Vous voyez ici, on peut avoir à la surface des cellules ce qu'on appelle des récepteurs qui captent les signaux extérieurs de la cellule. Récepteur 1, récepteur 2, qui peuvent subir des mutations et des altérations qui entraînent la prolifération des cellules. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Ce sont des facteurs, des hormones, par exemple, qui entraînent la prolifération anormale des cellules, qui peuvent être déréglées.
vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle des signaux de prolifération, c'est-à-dire des gènes qui sont responsables de la division cellulaire, qui sont, encore une fois, déréglés. Et vous avez, enfin, au niveau du noyau de vos cellules, eh bien, vous avez sûrement entendu parler des chromosomes. Eh bien, il peut y avoir des aberrations au niveau des chromosomes. J'ai représenté quelque chose ici dont je vais reparler. Ce qu'on appelle, vous voyez ici, une translocation. C'est-à-dire un fragment du chromosome numéro 1 qui va se trouver sur le chromosome numéro 2. Et ces modifications génétiques entraînent des proliférations anormales des cellules. Et enfin, tout le monde a entendu parler de l'inflammation ici. Tout le monde a entendu parler, l'inflammation actuellement, c'est très très étudié comme facteur essentiel dans le développement et la dissémination des cancers. Schéma très très simple. Et grâce à la recherche, vous voyez ici, chaque fois que j'ai mis quelque chose en rouge, c'est le facteur qui est péjoratif dans le développement des cancers. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Chaque fois que j'ai mis quelque chose en vert, c'est la solution pour le problème. Donc au cours de ces dernières années, eh bien, on a mis au point, vous voyez, parce qu'on connaissait l'origine de ces tumeurs, on connaissait la mutation, eh bien, vous voyez, on a essayé de trouver des solutions. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont vous avez sûrement entendu parler également, c'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées. C'est-à-dire, on a identifié la mutation, on a identifié la cause génétique, moléculaire, et donc on a essayé et on a dérivé un médicament spécifique de cette aberration génétique. C'est ça la thérapie ciblée. On cible, c'est-à-dire qu'on a une cible précise liée à la maladie. Et vous voyez tous les noms que vous voyez ici, Tarceva par exemple, Herceptin, Glivec, Celebrex, Nexavar. Ça, ce sont tous des médicaments qui sont actuellement utilisés pour le traitement du cancer, thérapie ciblée, spécifique de la mutation. Probablement, dans tous ces médicaments, celui qui a révolutionné le traitement du cancer, il y en a un là-dedans. C'est celui-là. Et celui-là est spécifique de cette fameuse translocation chromosomique dont je parlais tout à l'heure, le Glivec. Développé, et ça il faut le citer, la société Novartis. Qu'est-ce qui se passe dans cette aberration génétique qui est rencontrée dans certaines leucémies qu'on appelle des leucémies myéloïdes chroniques? Comme le nom l'indique, chronique, ce sont certaines leucémies qui mettent très très longtemps à évoluer chez le patient. Mais à partir du moment où ce type de leucémie se transforme en leucémie aiguë, eh bien, les patients, avant cette molécule, je vais en reparler, avaient une espérance de vie très très courte, de l'ordre de 3-4 mois. Dans le cas de ces leucémies, c'est ça, c'est cette fameuse translocation chromosomique, un morceau de chromosome qui s'échange avec un autre, et qui aboutit, vous voyez, à ça, un gène qui est aberrant, qui va donner une protéine, vous voyez ici, oncoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui induit un cancer. C'est une protéine qui devient active de manière aberrante et qui force la prolifération des cellules. Fort de cette observation génétique, eh bien, les chercheurs travaillant sur cette molécule ont dit on va cibler spécifiquement l'activité de cette protéine aberrante par une molécule toute simple, toute petite. Et on va la tester. Alors, vous savez bien qu'avant de mettre un médicament en clinique, il y a plusieurs étapes de recherche, il y a plusieurs étapes d'essai. Et l'essai qui a été fait, l'essai d'enregistrement de médicaments qui a été fait avec cette molécule a été absolument majeur, pivotal dans la recherche et dans le traitement du cancer. 600 patients recrutés, 300 patients qui avaient le traitement de référence de l'époque, qui était un traitement, vous voyez, qui était presque compassionnel, ou des patients, de manière anonyme, qui reçoivent ce fameux traitement, le Glivec. Les patients sont en phase aiguë, ce sont des patients qui sont très mal, qui sont alités, qui ne peuvent pas bouger.
Donc, au bout, l'essai démarre, au bout de quelques semaines, eh bien, certains patients de l'étude, on ne connaissait pas ceux qui avaient le traitement, eh bien, certains de ces patients commencent à aller mieux et commencent à dire « je veux retourner à la maison, je me sens très bien ». Ça a été la première fois dans une étude clinique où l'anonymat d'une étude clinique a été levé pour savoir pourquoi les patients allaient bien. Et évidemment, ceux qui allaient bien, c'est ceux qui avaient reçu la molécule active. Ça a été une des premières études qui a fait ce genre de choses. Si bien que certains patients de cette étude qui étaient, on va dire, entre guillemets, mourants, eh bien, certains de ces patients sont toujours en vie à l'heure actuelle. L'essai avait lieu en 1999-2000. C'était à cheval sur les deux. Donc vous voyez, ça a été la première fois où un traitement a révolutionné la science et a révolutionné le traitement. On est passé de patients mourants à des patients qui sont toujours en vie. Et donc là, c'est toujours la question qu'on pose aux chercheurs. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Là, vous en avez un exemple patent. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé, finalement, de comment traiter le cancer, et c'était assez évident, il fallait cibler la cellule tumorale, essayer d'empêcher sa prolifération anormale et sa dissémination métastatique. Et ça, on s'est heurté, à part cet exemple qui est patent sur le Glivec, eh bien, la majorité des traitements, eh bien, peut-être retardent l'échéance fatale, mais malheureusement, les taux de guérison complète sont encore, pour des cancers qui sont métastatiques, je précise, eh bien, sont encore relativement faibles. Et c'est là qu'est né ce fameux concept ici, vous voyez. Les concepts de thérapie ciblée qui ne vont pas toucher la cellule tumorale, mais qui vont toucher ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral, et en particulier ici, les vaisseaux sanguins qui irriguent les tumeurs. Donc ça, c'était un concept absolument génial, qui a été développé par un pathologiste de Harvard Medical School, aux États-Unis encore, qui avait observé ça sur des patients. Toutes les tumeurs qu'il disséquait, qu'il observait chez les patients, les plus graves, avaient un réseau de vaisseaux sanguins qui était absolument considérable. Et donc ça, c'est ce qu'il a pu observer, et c'est ce dogme qui a été réalisé par la suite, c'est de dire eh bien, que de toutes petites tumeurs existent dans la majorité d'entre nous. Tout le monde a des micro-tumeurs, mais qui n'évoluent pas. 1 à 2 mm. Mais par contre, quand ces tumeurs, pour une raison X que l'on ne connaît, malheureusement pas encore, se mettent à produire certaines hormones, certains facteurs de croissance, elles vont passer de cette phase qu'on appelle ici dormante à vasculaire, à cette phase-là qui est hypervascularisée. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? La tumeur est vascularisée, il y a de l'oxygène, il y a des nutriments. Les cellules tumorales peuvent se développer de manière explosive. Et aussi, via la néocirculation qui est créée, disséminée dans tout l'organisme. Et c'est ça les métastases. Donc le concept, c'était de dire, eh bien, si on supprime les vaisseaux sanguins, ça y est, on a guéri le cancer. Vous en avez des exemples ici. Donc il y a des médicaments spécifiques qui ont été dérivés contre ce processus. Vous voyez ici, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une tumeur expérimentale qu'on peut faire chez l'animal en absence du médicament qui cible ces fameux vaisseaux. Vous voyez, eh bien, le prélèvement ici est tout rouge, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vaisseaux sanguins dedans. Si le traitement est présent, plus du tout de vaisseaux sanguins, donc ça marche de manière très très efficace. Et vous voyez ici des images de vaisseaux sanguins dans cette situation ou dans cette situation. Vous voyez ici, les vaisseaux sanguins redeviennent à peu près normaux, comme ça peut être chez un individu ou dans un organe normal. Donc ça, ça semblait génial. Ça y est, on avait guéri le cancer. Et ça, c'était dans les années, c'était pas très loin. Le concept du pathologiste dont je vous parlais en préambule, eh bien, c'est un concept qu'il a développé dans les années 70. Le médicament en question a été approuvé en 2009. Vous voyez le pas et les efforts de recherche considérables qui sont faits entre les deux périodes. Autre thérapie qui est actuelle, alors là, ça c'est la révolution des dernières années, qui a valu le prix Nobel, eh bien justement, des chercheurs l'année dernière, eh bien c'est l'immunothérapie. C'est être capable de réveiller le système immunitaire. Donc le système immunitaire, tout le monde en a entendu parler.
bien, quand vous avez une infection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez vos globules blancs, ce que tout le monde connaît, qui vont lutter contre l'infection, qui vont digérer l'infection, qui vont l'éliminer. Mais dans le cancer, donc là, vous avez une image, hein, une cellule anormale qui est reconnue par ces fameux globules blancs, ici. Dernière évolution qui est en cours actuellement, et ça, ça ne peut se faire que par les progrès de la génétique, ça a pu être fait grâce aux progrès de la génétique. C'est un processus qui est très très spécialisé, qui ne peut se faire que dans des centres qui sont excessivement spécialisés pour ça. C'est ce qu'on appelle, vous voyez ici, les CAR T-cells. C'est un acronyme pour Chimeric Antigen Receptor. Qu'est-ce que c'est ? Le principe est relativement simple. On prélève, à partir du sang des patients, les cellules immunitaires. On va les manipuler génétiquement pour qu'elles reconnaissent quelque chose qui est exprimé par les cellules tumorales. On peut, et c'est ça qui est fait dans des centres spécialisés, on peut les amplifier à l'extérieur du corps du patient avant de lui réinjecter. Et comme ces cellules ont été éduquées pour reconnaître spécifiquement, grâce à cette modification génétique, pour reconnaître spécifiquement justement la tumeur du patient, eh bien, le patient va être traité et guéri surtout. Alors tout ça, vous voyez, hein, il y a eu des évolutions considérables, mais quels sont les bémols que l'on peut mettre à ça? Vous avez ici, eh bien, le Gleevec, qui reconnaît, comme je vous ai dit tout à l'heure, une molécule particulière, une mutation particulière. Sauf que, dans au moins 20% des patients, les patients sont soit réfractaires, dès le début, ça ne marche pas, soit deviennent résistants. Là encore, les chercheurs ont un grand rôle à jouer parce qu'ils ont identifié pourquoi certains patients devenaient résistants. Et grâce à cette identification, ils ont pu développer un autre médicament qui est encore plus efficace, qui cible les responsables de l'échappement. Donc vous voyez, c'est un concert encore. Chercheur, médecin, observation chez le patient, découverte chez le chercheur. Donc vous voyez, c'est un partenariat de choc. Les thérapies ciblées qui ciblent les vaisseaux. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ces courbes, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez le temps de traitement et la survie du patient, vous voyez, sur la partie de la courbe. En bleu ou en jaune, vous voyez traitement de référence ou traitement de référence additionné par les traitements qui vont détruire les vaisseaux sanguins. Grosso modo, sur deux études internationales qui regroupent plusieurs centaines de patients, voyez que l'effet sur la survie des patients est relativement équivalent, qu'il y ait ou non le traitement. Donc ça, c'était un gros bémol sur le fait que ces thérapies ciblant les vaisseaux ne marchaient pas si bien que ça. Sauf que, dernière évolution ici, quand on regarde toutes les études cliniques sur un grand nombre d'années, et qu'on regarde la survie des patients de toutes ces études, eh bien on s'aperçoit, vous voyez sur cette courbe, que certains patients décèdent très très rapidement. D'autres, vous voyez, eh bien, voyez une stabilisation de la courbe, ça veut dire que ces patients ont été sensibles à un petit peu plus long terme. Et d'autres patients, le traitement marche de manière efficace encore plus longtemps. Donc ça veut dire, et ça c'est très très clair, c'est pour ça que j'ai mis cette image, que pas tous les patients sont égaux par rapport au traitement actuel. Chez certains ça marche, chez certains ça marche pas. Et là, c'est là où le chercheur a un rôle important à jouer. Pourquoi ça marche chez certains et pourquoi ça ne marche pas chez d'autres? Enfin, sur l'immunothérapie, vous voyez, vous avez ici sur cette image, toujours pareil, le pourcentage de survie des patients en fonction du temps. Vous voyez en noir, eh bien, c'est la courbe, on va dire contrôle, c'est-à-dire la survie des patients avec les traitements qui datent de 40, 50, voire 60 ans. Vous voyez que eh bien, la survie des patients est relativement courte avec ces traitements de référence. Et vous voyez en rouge, vous voyez quand même que les thérapies ciblées dont je parlais ont légèrement augmenté la survie des patients. Les immunothérapies, la courbe est un peu trop claire. Vous voyez, les immunothérapies seules, celles dont je parlais, la courbe de survie, vous voyez, est ici.
ça a augmenté, mais pas encore suffisamment. Et surtout, il y a une stabilisation à très long terme chez à peu près 20% des patients. Donc ça veut dire qu'environ 20% des patients sont guéris carrément avec ces traitements. Et actuellement, là maintenant, 2019, dans tous les cancers les plus agressifs, le maître mot, c'est combinaison thérapie ciblée avec immunothérapie. Et là, vous voyez, c'est la courbe qui est finalement la meilleure. Eh bien, on a encore augmenté la survie des patients. Voilà, donc en conclusion de ça, peut-être le maître mot de tout ça, c'est peut-être prévention. Lutte contre le cancer, c'est éviter les comportements à risque. Parce que des facteurs de risque de développement de cancer, on les connaît. Tabac, alcool, obésité, clairement. Éviter les comportements à risque, eh ben, on peut limiter 30% des cancers. Eh bien, ce qu'on doit faire, on doit être meilleur, c'est augmenter le taux de guérison. Vous voyez ici, il y a environ une trentaine d'années, on avait 30% de guérison des cancers. On arrive maintenant à 50% de taux de guérison. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a eu des progrès? La réponse est clairement oui. Ça, c'est aussi peut-être le maître mot pour un chercheur, c'est rester imaginatif. Il faut toujours comprendre, imaginer, pour être encore plus performant. Et peut-être, là, je l'ai mis de manière un peu provocative, pour passer de 50% de guérison à 100%. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, tous ces efforts, eh bien, c'est probablement des efforts, ce sont des efforts collectifs. Tous les acteurs sont importants dans ce système de traitement. Les biologistes, ce que nous sommes, et le centre scientifique est en première ligne là-dessus. Les chimistes, évidemment, pour développer de nouvelles molécules encore plus actives. Les médecins, effectivement, ça c'est un partenariat constant avec eux. Les fondations, alors j'en ai plusieurs en tête, hein, Fondation Flavien, sur laquelle Vincent va revenir, et ce sont des acteurs majeurs et des aides majeures pour nous. Mais aussi les pharma. Les pharma, actuellement, il y a du pharma bashing, on va dire, pour dire, effectivement, les pharma, on dit, j'entends très souvent ça, se font de l'argent sur le dos des patients. Ce ne sont pas des mécènes, ça c'est sûr. Mais actuellement, un essai clinique d'enregistrement de médicaments, comme le Glivec, hein, je parlais tout à l'heure, c'est environ 500 millions d'euros. Les seuls qui peuvent mettre ces sommes sur la table, ce sont les big pharma. Sans elles, pas de nouveaux médicaments. Donc il y a, je vois, des représentants de la société Helsine aussi ici, ce sont des vraies aides aussi, parce que, eh bien, on discute avec eux, et ce sont des acteurs majeurs de ces découvertes. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vais laisser la place maintenant à Vincent Picot, qui est un acteur majeur, un chercheur majeur au niveau du centre scientifique, qui va vous parler justement des tumeurs pédiatriques. Merci encore. Vincent. Merci Gilles. Merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Vincent Picot, je suis chargé de recherche au centre scientifique, je suis chercheur. L'essentiel de mon effort de recherche, de mon travail, se consacre à une recherche sur les cancers pédiatriques du cerveau. Et évidemment, vous vous en doutez, pour ceux qui connaissent la Fondation Flavien, ce travail est supporté financièrement en très grande partie par le soutien financier que nous apporte la Fondation Flavien. On y reviendra un petit peu plus en détail. Alors, je ne vais pas vous submerger de statistiques, de données cliniques, etc. J'ai choisi d'être plus terre à terre pendant ma présentation. Vous le verrez, simplement, très brièvement, les cancers du cerveau chez les enfants sont des maladies rares, heureusement, on s'en doute, parce que ce n'est pas normal qu'un enfant développe un cancer, évidemment. Autre message important, les traitements de ce type de cancer sont particulièrement lourds, et évidemment particulièrement pour des enfants, puisqu'ils impliquent une chirurgie d'exérèse, donc la tumeur est retirée quand elle peut l'être, et de la radiothérapie combinée à de la chimiothérapie. Alors,
Dans les dernières décennies, la prise en charge de ce type de pathologie a connu des progrès majeurs et la mortalité, en fait, qui est représentée sur ce graphique, donc en fonction du temps, on a le pourcentage de patients qui décèdent à cause de ce type de cancer, a très nettement chuté entre les années 70, qui est la courbe en haut, et les années 90, qui sont ici en bas. Donc il y a eu une grande amélioration du point de vue de la prise en charge, mais ce bon chiffre de diminution de la mortalité ne doit pas masquer une autre donnée très importante, qui est que les séquelles graves liées à ces traitements particulièrement lourds, elles ont augmenté très nettement. En d'autres termes, en fait, les patients survivent plus longtemps, les patients qui survivent sont plus nombreux, mais cette survie s'accompagne d'une moindre qualité de vie, de séquelles très importantes au niveau cognitif, au niveau comportemental et au niveau physique, tout simplement. Donc, en fait, un des défis actuels, c'est pas tant d'essayer de réduire la mortalité, même si évidemment c'est un des objectifs, mais c'est aussi d'essayer de réduire les séquelles liées au traitement. Et je vais vous montrer un petit peu quelles sont les démarches au laboratoire pour essayer d'arriver à ce type de résultat. Je prends simplement un exemple d'un apport technologique majeur que Gilles a brièvement évoqué tout à l'heure dans le domaine. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, Gilles vous a parlé de radiothérapie. Effectivement, donc, la radiothérapie, c'est quelque chose qui a été inventé il y a très longtemps, qui est utilisé très couramment. Très récemment, des appareils de nouvelle génération ont été mis en service. Il y en a un au centre Antoine de la Cassagne à Nice. Ces appareils, en fait, utilisent une technologie un peu différente de la thérapie classique. La radiothérapie classique utilise des rayons X. Et les tumeurs sont bombardées par un faisceau de rayons X, donc vous avez ici la tumeur représentée. L'inconvénient majeur de ce type de thérapie, c'est que non seulement la tumeur va être irradiée, mais tous les tissus adjacents vont recevoir une grosse dose de radiation. Évidemment, quand le tissu adjacent, c'est le cerveau, et a fortiori encore plus le cerveau d'un enfant, on imagine les conséquences. Les appareils de dernière génération ne bombardent pas les tumeurs avec des rayons X, mais avec des protons. L'avantage majeur, et là on n'a pas encore le recul pour que ce soit prouvé par la statistique, mais les premiers résultats des études cliniques sont tout à fait favorables, c'est que ces protons ne vont déposer leur énergie qu'au niveau de la tumeur, et beaucoup moins irradier les tissus adjacents, et ça on imagine le bénéfice que ça peut représenter pour les patients. Donc ça, c'est un aspect technologique, technique, qui est important et qui est un progrès majeur. Nous, au laboratoire, on ne travaille évidemment pas sur on travaille pas directement sur la radiothérapie. Par contre, nous, on a basé nos efforts sur le fait d'essayer d'améliorer la prise en charge chimiothérapeutique, essayer d'avoir des propositions nouvelles dans ce domaine-là. Alors, il faut savoir que, vous l'imaginez bien, et puis Gilles encore une fois a mentionné un petit peu un certain nombre de médicaments anticancéreux, il existe déjà sur le marché un très grand nombre de spécialités antitumorales, et toutes ces spécialités n'ont pas été testées dans tous les cancers possibles, donc il y a une fenêtre là-dedans. Il existe aussi des banques de produits chimiques avec des millions de différents produits chimiques. Certaines grosses entreprises basent leur recherche sur la recherche parmi ces millions de produits qui sont actifs de manière antitumorale. Nous, au laboratoire, on est évidemment beaucoup plus. On travaille à une échelle beaucoup moindre. On cible notre travail. Et nous, on cible notre travail. Donc, sur des spécialités qui sont déjà sur le marché chez l'adulte, qui n'ont pas été testées chez les enfants, et encore plus particulièrement, le travail dont je vais vous parler aujourd'hui a concerné des spécialités anti-angiogéniques, parce que c'est une des spécialités du laboratoire, c'est vraiment un domaine dans lequel l'équipe de Gilles depuis plusieurs décennies... plusieurs décennies, a vraiment basé son travail. Donc les spécialités anti-angiogéniques, je reviens très brièvement sur ce qu'est l'angiogénèse tumorale, même si ça a déjà été évoqué précédemment, pour vous expliquer ce que sont ces médicaments anti-angiogéniques, une nouvelle fois, mais très brièvement. Angiogénèse tumorale, donc
une tumeur qui se développe a besoin d'un réseau vasculaire pour soutenir la prolifération des cellules tumorales, pour avoir aussi tout simplement un apport en oxygène. Et pour ce faire, en fait, la tumeur qui se développe va envoyer des signaux au système vasculaire du patient et provoquer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle l'angiogénèse tumorale. Évidemment, donc, comme je vous le disais, ces vaisseaux sanguins vont irriguer la tumeur, lui apporter des nutriments, de l'oxygène qui vont soutenir la prolifération des cellules tumorales. Et ces vaisseaux sanguins sont aussi malheureusement une route qu'utilisent les cellules tumorales pour disséminer dans l'organisme et former des métastases. Les traitements anti-angiogéniques, qui sont des thérapies ciblées, visent à empêcher cette vascularisation des tumeurs. Donc leur cible, ça va être les vaisseaux sanguins qui sont formés sous l'action des signaux envoyés par les tumeurs. Dans les traitements dits anti-angiogéniques de dernière génération, l'équipe de Gilles, ainsi que d'autres équipes évidemment dans le monde, s'est aperçu que ces traitements qui avaient été créés pour essayer de cibler l'angiogénèse tumorale, donc cibler les vaisseaux sanguins, sont aussi extrêmement toxiques pour les cellules tumorales elles-mêmes. Donc il y a ce double effet de ces traitements anti-angiogéniques. Et la question qu'on pose, nous, actuellement dans le projet sur les cancers du cerveau pédiatrique, c'est de savoir s'il est possible de traiter ce type de cancer avec des anti-angiogéniques, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été totalement exploré, cette possibilité, dans les recherches qui ont été menées jusqu'à présent. Alors, je vous rappelle quand même l'idée de base. On veut trouver un composé efficace, donc qui attaque efficacement la tumeur, mais on veut aussi un composé sélectif. Et par sélectif, j'entends un composé qui soit le moins toxique possible vis-à-vis de cellules normales, que j'ai représentées ici par un réseau de neurones. Et donc notre recherche va se baser sur la recherche de ce type de composé. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer, je ne vais pas vous submerger de résultats scientifiques, etc., de choses qu'on a découvertes au laboratoire. L'objet de mon topo va plutôt être de vous montrer le déroulé d'une expérience. Parce qu'on s'est aperçu, en discutant notamment avec Denis Allemand et en discutant avec le grand public, entre guillemets, que les gens savent que les chercheurs font des expériences dans leur laboratoire, mais c'est très mystérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Qu'est-ce qu'on fait concrètement de nos journées? Donc, je vais vous détailler une expérience par le menu, vous allez y avoir droit de A à Z, et je vais du coup faire l'impasse sur énormément de résultats en plus qui ont été obtenus dans le laboratoire. Alors, pour répondre à la question, on cherche un composé parmi des molécules qui sont déjà disponibles, ça on peut se les procurer facilement, qui soit toxique pour les cellules tumorales et qui épargne les cellules normales. Pour faire ça, on a à notre disposition des cultures de cellules. Ça, c'est une technique, la culture cellulaire, qui a été développée dans les années 50. Depuis très longtemps, les chercheurs dans les laboratoires sont capables de cultiver des cellules. Alors, généralement, dans des boîtes de pétri, les cellules qui sont représentées ici sont adhérentes au fond de la boîte. Petite parenthèse, qu'est-ce qu'une cellule ? On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est une cellule, mais à quoi ça ressemble? Bon, voilà, j'ai mis un zoom ici sur une cellule individuelle que j'ai détourée à côté. En jaune, la membrane cellulaire, la limite extérieure de la cellule, et puis en noir, qu'on distingue ici, mais que j'ai détourée pour qu'on voit mieux, le noyau cellulaire qui renferme l'information génétique. Donc on a nos cellules en culture, et évidemment, vous avez là des exemples de cellules en culture qui sont au fond de leur boîte, on est capable de les faire proliférer autant qu'on veut. Elles sont dans des incubateurs à 37 degrés. Vous reconnaîtrez peut-être ici la chevelure blonde de Marina qui vous a accueilli en haut. Donc ça, c'est des choses qui sont faites au laboratoire ici à Monaco. Vous voyez trois images. Celles qui sont encadrées de rouge, ce sont deux lignées cellulaires. Ce sont des types cellulaires différents, qui ont été isolés à partir de cancers du cerveau, qui ont été retirés à deux patients différents. Donc, elles présentent des caractéristiques morphologiques qui sont extrêmement différentes, ça vous le voyez au premier coup d'œil. L'intérêt d'avoir plusieurs types, alors on en a 7 ou 8 de ce type de cancer pédiatrique du cerveau, l'intérêt d'avoir plusieurs types de cellules différentes, c'est que si on trouve un composé qui ne marche que sur une seule
un seul type de cellule, ce ne sera pas forcément un bon candidat pour nous parce qu'on veut chercher une molécule qui soit efficace sur tous les cancers, chez tous les patients. Donc on va tester nos composés sur N lignées différentes. Et puis vous avez ici encadré en vert un troisième type de cellules qui, elles, sont des cellules normales. En l'occurrence, c'est des cellules de la peau, mais on a aussi des cellules du cerveau. Et là, j'imagine, vous sentez venir la chose. On veut chercher un composé qui tue les cellules tumorales, mais qui ne tue pas les cellules normales, ce qui nous laissera penser que peut-être cette molécule présentera une bonne efficacité antitumorale, tout en épargnant les tissus sains et donc en provoquant moins d'effets secondaires que les traitements actuels. Alors, donc on a nos cellules. Je vous ai dit, on les cultive et on peut directement appliquer le traitement sur ces cellules dans la boîte. On met notre molécule dans la boîte de culture des cellules et voir si elles survivent ou pas. Si on veut essayer d'accélérer un petit peu les choses, d'être un peu plus efficace, et puis pour d'autres raisons que je ne vous exposerai pas ce soir, on a envie peut-être de tester sur les deux types cellulaires en même temps. Okay, donc on peut mélanger les deux types cellulaires dans la même boîte, les cultiver ensemble, et puis appliquer le traitement et voir si les cellules normales ou les cellules tumorales meurent, lesquelles les deux. Sauf que si on fait ça directement comme ça, on se retrouve dans un cas comme ça où on ne voit pas bien en fait qui est qui, on ne sait pas qui est vivant, qui est mort, donc on ne peut pas le faire de cette manière directement. Il va falloir passer par une étape préalable qui va consister à marquer les cellules pour pouvoir distinguer les cellules normales des cellules tumorales. Alors comment on fait ça? Donc notre culture de cellules, là vous voyez plusieurs cellules en amas qui sont accrochées au fond d'une boîte, on va les rendre fluorescentes. On va les rendre fluorescentes. Comment est-ce qu'on fait ça? Il existe, en fait, ça a été caractérisé il n'y a pas si longtemps que ça, un gène qui code pour une protéine qui est fluorescente verte. Les gènes codent généralement pour des protéines. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer ce gène dans les cellules. On va, entre guillemets, l'injecter dans la cellule. On n'utilise évidemment pas une seringue, on a des techniques différentes, un grand nombre de techniques issues de la biotechnologie. Et quand ce gène va être dans la cellule, il va être exprimé dans la cellule, il va les rendre fluorescentes vertes. Une nouvelle aparté très brève pour vous dire que la découverte de ce gène et du produit de ce gène, de la protéine fluorescente verte, a valu le prix Nobel récemment à ces trois illustres chercheurs. Ce gène a été découvert chez un cnidaire, chez la méduse. Donc ces gens travaillaient sur la fluorescence des méduses. Et pourquoi ils ont eu le prix Nobel? Parce qu'en fait, la découverte de cette protéine et du gène qui code pour cette protéine, c'est une vraie révolution en biotechnologie. Donc la recherche peut être utile directement, peut avoir des applications directes, mais la recherche très fondamentale, c'est extrêmement important parce qu'on peut découvrir des choses, pas vraiment par hasard, mais découvrir des choses qui, a priori, ne sont pas intéressantes. Bon, la fluorescence des méduses, mais qui, en fait, peuvent se révéler être des découvertes fondamentales. Dernière parenthèse, les méduses font partie de la famille des coraux qui sont étudiés au centre scientifique depuis très longtemps. Grande importance de la recherche fondamentale, évidemment. On a nos cellules fluorescentes vertes. Les apports de la biotechnologie, ça va très vite. On fait que de simples, toutes petites modifications du gène, c'est pratiquement le même gène, peuvent faire un produit qui n'est plus une protéine fluorescente verte, mais une protéine fluorescente rouge. Et là, du coup, on va pouvoir marquer nos cellules normales en vert, par exemple, et nos cellules tumorales en rouge. Pour les observer en vert et en rouge, elles n'envoient pas de la lumière verte ou rouge, on utilise des microscopes. Donc nos cellules sont dans leur boîte de pétri, elles sont vertes ou rouges quand on les regarde avec le bon microscope, mais c'est très simple. Maintenant, on va pouvoir les mélanger et les distinguer. Donc ça, toujours les mêmes petites mains. Il suffit de les décoller du fond de la boîte, très simple, de les mélanger dans des proportions qu'on peut contrôler, parce qu'une fois qu'on les a décollés, on les met en suspension, on peut les compter, on sait combien on a de vert, combien on a de rouge au départ. On les ensemence dans une boîte mélangée, et puis on va appliquer ou pas des traitements pour voir ce qui se passe sur les cellules normales et sur les cellules tumorales. Alors, si on fait ce mélange de cellules normales vertes et de cellules tumorales rouges, et qu'on n'applique pas de traitement,
Ce qu'on voit, c'est que les cellules tumorales vont avoir tendance à proliférer énormément et à envahir la majeure partie de l'espace au détriment des cellules normales. C'est un peu ce genre de choses qu'on peut observer dans une vraie tumeur. Maintenant, appliquons un premier traitement, une chimiothérapie classique du même genre des chimios qui sont utilisées actuellement pour traiter les patients. On voit qu'on a un résultat qu'on peut qualifier d'un petit peu mitigé, puisque effectivement, on a réussi à réduire la prolifération des cellules tumorales. On a moins de cellules rouges dans la boîte. Par contre, a priori, les cellules normales, elles n'ont pas pris le dessus, elles n'ont pas continué à proliférer normalement. Elles ont aussi sans doute été impactées par le traitement, la chimiothérapie. Ce qui suggère, vous voyez où je veux en venir, qu'effectivement, ces chimios sont efficaces contre les tumeurs, mais elles sont aussi très toxiques et vont conduire aux effets secondaires qu'on connaît des chimiothérapies classiques. Maintenant, on peut imaginer de tout tomber sur un mauvais candidat, où là, en fait, la molécule va d'une part décimer entièrement nos cellules normales, et d'autre part, pas vraiment empêcher bien la prolifération des cellules tumorales. Donc on en a des mauvais candidats. Évidemment, la recherche, c'est 90% de résultats négatifs pour 10% de résultats positifs exploitables et qui permettent d'aller plus loin. Et puis on a des fois le bingo, des fois des bons candidats, en l'occurrence une molécule candidate qui tue spécifiquement les cellules tumorales et qui épargne les cellules normales. Nous, chercheurs, on veut toujours aller un petit peu plus loin et surtout on veut avoir des données quantifiées. Savoir combien on a de cellules vertes, combien on a de cellules rouges, en l'occurrence, parce que c'est important, on ne peut pas simplement montrer aux collègues des images, il faut aussi des chiffres. Et puis on peut vouloir aller plus loin, pouvoir récupérer les cellules vertes, indépendamment les cellules donc normales, indépendamment des cellules tumorales, les remettre en culture, savoir si elles ont été vraiment peu impactées ou s'il y a quand même des effets secondaires du traitement. Et donc pour faire ça, récemment, et je vous parle de ça parce que c'est important de mentionner qu'on a pu acquérir un appareil qui nous permet de faire ce genre d'analyse grâce au soutien de nombreux donateurs et d'associations. En l'occurrence, cet appareil, qui est un appareil évidemment extrêmement onéreux, qui s'appelle un cytomètre en flux, a été acheté et on a pu s'équiper avec cet appareil grâce au soutien du JAMLUC, de la Fondation Flavien et de la No Finish Line, Children in Future. Peut-être même, oui, je suis sûr que nombreux d'entre vous ont couru pour que nous puissions avoir ce type d'équipement. Je vous remercie, donc, évidemment. On va regarder un petit peu comment ça marche très, très rapidement avec quelques vidéos cet appareil, parce qu'il y a un aspect technologique qui est toujours un peu intéressant. Très brièvement, le principe de la machine, c'est que nos cellules, mélange de cellules vertes et rouges, on les met en suspension, on les injecte dans la machine, et en fait, elles vont être envoyées dans un flux, séparées les unes des autres, individualisées, et puis elles vont passer devant un capteur qui va détecter à la fois des paramètres morphologiques des cellules, etc., mais aussi va pouvoir nous dire si elles sont vertes ou rouges. Pour illustrer un petit peu la chose, ici, c'est ce flux dont je vous parle qui se met en place. Vous voyez qu'on passe d'un flux linéaire à des petites gouttes séparées. Ça, il y a une caméra dans la machine pour contrôler ce flux, parce que c'est important qu'il soit nickel. Et à l'arrivée, la machine, elle va être capable de mettre dans chacune de ces petites gouttes une seule cellule. Et c'est ça qui va permettre d'analyser les cellules de manière individuelle. Si on regarde dans les entrailles de la bête, ici, on voit un trait très fin, on le distingue beaucoup mieux là, à l'endroit où on a un laser qui le percute. C'est ce flux linéaire. Et ce type de machine a encore quelque chose en plus, qui est ces deux palettes-là, qui vont pouvoir créer un champ électromagnétique qui va orienter chaque petite gouttelette, selon des paramètres que nous avons décidés, d'un côté ou de l'autre, dans des petits réservoirs. Et en fait, on va pouvoir trier les cellules. C'est-à-dire que si on injecte un mélange de cellules vertes et de cellules rouges dans la machine est capable de mettre les vertes d'un côté, les rouges de l'autre, de manière individuelle, avec 100% d'efficacité.
Le gros doigt que vous voyez là, c'est celui du prochain orateur qui actionne le laser, que je remercie pour l'aide avec ces vidéos. Alors comment ça se passe plus concrètement? On met le tube dans la machine, on a un tube avec la suspension de cellules. Le tube est attrapé par la machine qui commence à aspirer les cellules, on voit le flux là. Et là vous allez voir des petits points apparaître à l'écran. On va s'approcher un petit peu, attention, lunettes. Voilà, lunettes, c'est bien. Donc on voit ces petits points. Chaque petit point représente une cellule. Chaque petit point représente une cellule qui est dans un graphique. En fonction de ses caractéristiques, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, ce n'est pas le but. Par contre, ce que je vous montre ici, donc chaque petit point dans ce graphique, c'est une cellule. Et en fait, la machine va pouvoir nous dire si la cellule est verte ou si elle n'est pas verte, rouge en l'occurrence. Donc, évidemment, ça, on va pouvoir le quantifier. Hein, ce graphique ici est simplement une autre manière de représenter ça ici. Mais par contre, on va pouvoir quantifier le nombre de cellules vertes qu'on a dans notre mélange ici, qui sont contenues dans cet histogramme ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous ai montré une expérience. On fait beaucoup d'expériences tous les jours, toutes les semaines, on continue, qui nous ont amené à découvrir un très bon candidat, qui est un composé déjà utilisé en clinique chez les adultes, qui est efficace sur les tumeurs du pédiatrique du cerveau, en tout cas en préclinique, c'est-à-dire on n'a pas encore testé chez des patients évidemment, mais on a beaucoup d'indications variées qui nous disent que c'est efficace sur les tumeurs du cerveau des enfants, qui est peu toxique pour les tissus sains, et aussi, c'est important, qui est capable de rentrer dans le cerveau, parce que si on veut traiter une tumeur du cerveau, on a besoin d'un composé qui est capable de rentrer dans le cerveau, ce qui n'est pas donné nécessairement pour n'importe quelle molécule, parce que le cerveau, c'est un compartiment de l'organisme qui est particulièrement hermétique. Alors, quand on a accumulé tous ces résultats, nous, notre objectif, c'est de les diffuser, parce qu'ils ne servent à rien s'ils sont chez nous, si on se les garde sous le coude. Et comment on fait? On va faire une publication scientifique. Et ça aussi, c'est un aspect, je pense, du métier de chercheur qui n'est pas forcément très intuitif. C'est qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique? On imagine que ça sert à diffuser le savoir, mais comment ça se fait? Alors, je vais très, très brièvement, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment en avance, vous montrer le processus de publication scientifique. Donc, on a accumulé un grand nombre de résultats, on a fait beaucoup d'expériences, on a fait suffisamment d'expériences pour qu'on ait suffisamment de résultats positifs pour avoir des idées nouvelles et intéressantes pour le reste de la communauté scientifique, pardon, mais aussi pour potentiellement les médecins. Donc on met en forme ces résultats sous forme de figures qu'on accompagne d'un manuscrit, donc un texte, qui va servir à expliquer nos résultats, à expliquer ce qu'on montre dans les figures. Et ça, je vous ai pris cet exemple, ça c'est un article qui reprend toutes les découvertes qu'on a faites sur le projet dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant et qui est pratiquement prêt pour être envoyé à un journal pour publication. Alors comment ça se passe quand on envoie ce manuscrit qui représente des années de travail pour publication à un journal? Déjà, il faut choisir un journal. Il y a eu une explosion du nombre de titres de journaux scientifiques là, dans les dernières années. On a des listes énormes. Il faut choisir le bon journal, c'est-à-dire un journal suffisamment prestigieux pour les découvertes majeures qu'on a faites, mais aussi un journal qui est vraiment bien dans la discipline, donc il y a un certain nombre de critères. Ça, c'est la première étape. Quand on a choisi à quel journal on envoie, ben là, il se passe une petite partie de tennis où notre article, ce serait la balle. Nous, on est les auteurs, le tennisman du bas. Et puis ici, l'arbitre, ça va être l'éditeur du journal qui va recevoir le manuscrit et qui va décider si oui ou non ce manuscrit intéresse son journal et bien, rentre bien dans la ligne éditoriale du journal. Et s'il décide que c'est bon, ça peut être évalué pour être publié dans ce journal, il va l'envoyer aux autres tennismen là-haut, qu'on appelle des reviewers, qui sont en fait des spécialistes de la discipline, qui vont lire le manuscrit, et puis donner des commentaires, analyser, demander éventuellement que des expériences supplémentaires soient faites, que des choses soient reprises. Et une fois qu'ils ont fait ça, hop, ils nous renvoient la balle, pour ainsi dire,
Et à nous d'essayer de les convaincre de la validité de nos résultats. Et donc, cette partie de tennis, les échanges sont généralement peu nombreux. Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a peu d'échanges. Et quand on a convaincu à la fois l'éditeur et les référis, les spécialistes, les autres spécialistes qui jugent le travail qu'on a effectué, et ben l'article peut être publié. C'est ce qui s'est passé donc là récemment, au tout début de cette année, pour le premier article que nous avons publié sur cette thématique des cancers pédiatriques du cerveau. Dans ces articles, on remercie toujours évidemment les soutiens financiers, en l'occurrence Fondation Flavien Gemluc et le gouvernement princier au travers du budget du centre scientifique. Et puis on a même le droit de mettre des petites dédicaces spécifiques, donc c'est le cas ici, donc pour évidemment tous les bénévoles de la Fondation Flavien, en l'occurrence qui évidemment apporte un travail phénoménal pour nous apporter ce soutien financier énorme. Ici c'est simplement une miniature de toutes les pages de l'article. Et j'ai fini mon topo maintenant. Avant de laisser la parole à Jérôme, je vais très rapidement vous présenter l'équipe. Vous reconnaîtrez peut-être Aurore et Marina, donc, qui vous ont accueilli en haut. Jérôme, qui est le prochain intervenant. Sandy, qui est parti maintenant. Gilles, vous l'avez reconnu, c'est bon. Et Valérie, qui est actuellement en congé maternité. Donc en fait, cette image, elle date de quelque chose comme 6 mois. Aujourd'hui, l'équipe, c'est plutôt comme ça. Donc un remplaçant de Valérie, un remplaçant de Sandy. Christopher, ici présent. Et puis Guillaume aussi. Donc il y a un intérêt dans les laboratoires en général, c'est qu'il y a un grand renouvellement des personnels constamment, avec des étudiants, des post-doctorants. Et ça, c'est très stimulant. Évidemment, les soutiens fondamentaux de la Fondation Flavien et puis une autre fondation qui très récemment nous a fait un nom assez conséquent, la Fondation Safiuk. Je finis sur cette image. La Fondation Flavien, c'est le quatrième chèque de 100 000 euros que la Fondation Flavien fait au centre scientifique pour soutenir cet effort de recherche sur les cancers pédiatriques du cerveau. J'ai vu Denis Macario, qui est là-bas. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot? Tu peux être bref. Bonsoir à tous. C'est surtout ces équipes de chercheurs, ces nouvelles têtes qui ont été remplacées récemment, qu'il faut féliciter, parce que s'ils n'ont pas cette science, nous, certes, on a un petit pouvoir d'aller chercher de l'argent, mais eux, ils ont surtout la chance d'avoir l'intelligence, d'avoir dit, tiens, je veux devenir chercheur. Moi, j'étais chercheur d'argent et eux, ils sont chercheurs de mauvaises cellules. Donc, j'en profite pour les remercier. C'est aussi très bien d'informer le public de façon avec ces conférences-là, parce que c'est un challenge, c'est vraiment le titre de la conférence. Et la manière physique, c'était le gros chèque, parce que c'était notre journée fin septembre, que grâce à cette journée-là qui entraîne d'autres journées, on fait qu'on arrive à remettre un gros chèque. Il y a le plus petit qui est là, mais c'est le vrai, c'est celui qui compte aussi, qui va aller sur le compte bancaire du CSM. Donc, cher professeur, voilà, il est pas lourd, mais il y a beaucoup de conséquences dans cette action-là. Donc, voilà. Et puis, voilà, c'est parti d'une histoire à l'époque avec Denis, allemand. Moi, Denis, et je demandais qu'est-ce que je pouvais faire à l'époque. Il m'a dit, ben, je vais te présenter le projet. Donc, on a dit banco avec l'aide du gouvernement, 50 000 chacun, et ça fait déjà 200 000 chacun qu'on met, et il y en a encore d'autres qui vont arriver, donc, puisqu'on a encore signé une convention, une deuxième convention qui nous lie encore pour 3 ans. Et j'espère qu'il y en aura encore, encore et encore et encore, et avec d'autres moyens, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous lient maintenant, qui sont venues nous joindre sur la vague. Il y a d'autres chercheurs qui sont là, et je les remercie aussi. Donc, vous avez
les sœurs, je dis sœurs parce qu'elles sont chères à mon cœur, voilà, les deux sœurs Schmitt qui sont sur l'ostéosarcome, il en a parlé, et puis une partie des bénévoles sont là, et surtout, pour vous dire que au mois de janvier, fin janvier, il y aura une superbe biennale de cancérologie francophone, c'est la 14e, et à l'intérieur de ça, grâce à une société qui s'appelle Public Création, on a réussi à monter une session pédiatrique avec Gilles, les réseaux d'un côté du centre et de ce que nous, on a apporté depuis le début, puisqu'il y a sur les 8 chercheurs, bon, 7 modules, quoi, 7 personnes, parce qu'il y en a une qui fera 2 modules, sur les 7 personnes, on en finance 5. Voilà. Autre que ces montants-là qu'on donne, cette année, ça a été 143 000. Donc 43% de plus qu'on a fait d'habitude. Voilà. Donc merci à elle d'être là aussi. Et puis à l'Immuno. Voilà. Je vais terminer par rapport au don de vie. Là, c'est le don de soi. Vous l'avez fait scientifiquement, on le fait financièrement. Et on le fait aussi donc, avec l'équipe d'immunologie de l'Archéon, avec le don de vie de chacun, qui est nécessaire à faire aussi parce qu'on a tous un pouvoir en nous. C'est de donner un peu de nous. Et voilà, merci beaucoup. Merci, Denis. Et donc, on cède immédiatement la parole à Jérôme Duriveau qui va nous parler de révolution biotechnologique, encore une fois. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous parler de ces 6 pitelettes CRISPR. C'est réellement une révolution en marche. Je ne vais pas vous faire de la politique, ni même vous présenter un paquet de céréales, mais bien, je vais vous expliquer ce qu'est CRISPR. Ce sont des ciseaux génétiques qui ont un énorme pouvoir. Mais pour mieux comprendre CRISPR, il faut revenir à certaines découvertes majeures, comme l'ADN. L'ADN est le support de l'information génétique présente dans toutes vos cellules, ou presque. Là, vous avez une cellule eucaryote et l'ADN est compacté dans des chromosomes. Et l'ADN est le support de l'information génétique, comme je vous le disais, et est composé en gènes. Chaque gène, en général, va coder pour une protéine. Si l'on devait schématiser une cellule, c'est comme une pêche, en fait, tout simplement. Vous avez le noyau ici de la cellule qui contient l'ADN, le cytoplasme et la membrane externe. Tout l'ADN, si on devait le simplifier, c'est un énorme livre, voire même une encyclopédie. C'est en 1953 où Watson et Crick ont pu décrire que cet ADN était formé et se formait en double hélice ADN. Cet ADN est formé de 4 lettres, A, G, C, T, où chaque lettre va s'associer une à une, A avec T, C avec G. Et inversement, bien entendu. Toutes ces découvertes ont fait l'objet d'un prix Nobel en 1962. Ici, dans ce tube, vous voyez la pelote d'ADN. Donc, lorsqu'on extrait l'ADN d'une cellule, c'est ceci que l'on voit. Et ici, derrière, vous avez toutes ces lettres, T, C, A, C, 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 qui composent votre information génétique. Ensuite, il y a eu la PCR. C'est la réaction de polymérisation en chaîne. En 1983, cet homme, Karim Ulis, a découvert dans une bactérie thermophile une enzyme qui était capable de copier spécifiquement des pages ou des mots de notre ADN. Cette découverte a été majeure puisqu'il permet désormais d'être utilisé par la police scientifique et de réaliser le séquençage des génomes, donc la lecture de toutes ces lettres A, G, C et T, les unes après les autres. C'est une véritable photocopieuse qui permet donc de photocopier notre livre et spécifiquement un endroit bien donné de notre livre, une phrase ou une page, voire de plus grands morceaux. Et la dernière découverte majeure, c'est CRISPR. CRISPR, ce sont des ciseaux génétiques qui vont donc être capables de couper spécifiquement l'ADN. Vous avez certainement entendu parler de CRISPR dans les médias, soit dans des séries télévisées comme X-Files, dans des journaux, on va dire, grand public,
dans des journaux télévisés ou encore récemment dans le film Rampage. Pour nous, et particulièrement à partir des années 2012-2013, il y a eu un énorme boom de ces techniques. Cela a fait l'objet de nombreux papiers scientifiques de haut impact facteur, c'est-à-dire que c'est des publications qui ont une grande popularité et relèvent la pertinence de cette découverte. Alors, CRISPR, si vous avez mangé du yaourt, vous êtes sûr, toutes ici, d'avoir mangé des cellules CRISPR. Pourquoi ? Parce que l'industrie agroalimentaire utilise ces techniques de la bactérie pour augmenter la date de péremption de vos yaourts. Donc ceci a été découvert dans les bactéries Streptococcus pyrethermophilus. Et enfin, cette technique donc n'a été inventée par personne. Je vais faire un point un petit peu d'historique. En 1987, des chercheurs étudiaient ce gène-là chez la bactérie. Ils ont découvert à côté qu'il y avait une structure inhabituelle, sans aller plus loin, et ces structures se composaient de séquences palindromiques. Une séquence palindromique est une phrase, par exemple, qui peut se lire à la fois dans un sens et dans l'autre. Par exemple, la phrase « engage le jeu que je gagne » peut se lire dans l'autre sens, ou un mot comme kayak, exactement, se lit dans la science. Il a fallu attendre 2005 pour se rendre compte qu'entre ces séquences palindromiques chez la bactérie se trouvaient des petites séquences de virus. D'où le nom de CRISPR pour Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en anglais, ou en français, courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée. Donc c'est un nom un peu barbare. Il a fallu attendre 2007 donc pour découvrir que ce système CRISPR était l'immunité adaptative de la bactérie. En effet, lorsqu'une bactérie est infectée par un virus, le virus va injecter son ADN à la bactérie pour pouvoir se développer et se multiplier dans la bactérie. Donc en fait, c'est comme si un module lunaire se posait sur la Lune, y injectait son ADN. Mais en réponse, la bactérie a développé ce système de défense adaptatif pour découper en petits morceaux l'ADN viral et l'empêcher de se développer dans la bactérie. Les petits morceaux que je vous ai montrés de virus, qui sont découpés ici, se retrouvent dans le génome de la bactérie, et ainsi, lors d'une prochaine infection, la bactérie pourra reconnaître ce virus et se défendre à nouveau. Ce système se trouve dans 40% des bactéries présentes sur le globe terrestre. Et dans 90% des archébactéries. Alors là, vous avez le système en 2007 qui décrit l'immunité adaptative, donc c'est un peu lourd comme système, on va dire, de défense. Mais l'idée géniale, en 2012-2013, c'est d'avoir adapté ce système et d'avoir pu le transposer à des cellules de mammifères eucaryotes pour pouvoir faire de l'édition de génome. Donc, c'est comme si on avait transposé donc, ce système de défense bactérien à la pêche, donc à nos cellules, pour pouvoir modifier nos cellules. Donc, depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu d'énormes avancées sur cette découverte. Et les majeures ont été en 2012 par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Et en 2013, par Zhang et Church. La première fut donc de pouvoir programmer ce système et la deuxième fut de pouvoir en fait pouvoir cibler les cellules de mammifères. Donc ces quatre découvertes vont peut-être faire l'objet ou peut-être que deux simplement vont peut-être faire l'objet d'un prix Nobel, le prochain prix Nobel peut-être. Donc qu'est-ce que CRISPR en fait ? C'est chercher et couper. Mais chercher couper, c'est comme si CRISPR en fait, va chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est trouver 20 bases ADN dans un total de plus de 3 milliards de bases. Donc c'est quand même assez spécifique. La notion de programme, de programmable, en fait, c'est... Donc vous avez des ciseaux, mais il faut pouvoir les guider. Pour ça, CRISPR, donc c'est cette protéine, en fait, et elle va se coupler à un
petit ADN, ou ARN plutôt, un guide. Donc c'est comme si j'avais les ciseaux au bout de mon bras. Mon bras va être le guide et je vais dire au ciseau d'aller couper spécifiquement ici. Et ici, vous avez les bases spécifiques qui vont aller reconnaître cette petite séquence spécifique dans l'ADN. Alors, en action, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici le complexe CRISPR avec le guide qui vient couper ici le petit bras, votre ADN à un endroit, et vous voyez que ça coupe et c'est le bras, donc ça ouvre directement l'ADN. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais alors pourquoi ça marche? On vient couper l'ADN. Lorsque vous coupez une ficelle, vous la réparez, à moins d'être magicien, vous faites un nœud pour pouvoir la consolider et la ramener. Donc ça fait un nœud, ça bloque. Eh bien, lorsque l'on cible l'ADN avec cette technique-là, on crée une liaison. La cellule va réparer, mais de la même manière que nous, on répare la ficelle, cela crée... La réparation se fait mal, ça fait un nœud dans l'ADN, dans le gène, et ça le casse, en fait, tout simplement. Il est plus fonctionnel. De la même manière, si l'on coupe et que l'on amène à la cellule quelque chose pour réparer là où on a cassé l'ADN, on peut venir réparer spécifiquement à l'endroit de la coupure grâce à cette technique. Alors là, je vous fais une petite vidéo. Donc là, ici, vous avez donc l'ADN. Donc, qui est composé de gènes. Il faut savoir que la plupart de votre ADN ne code pour absolument rien, ou en tout cas n'est pas décrit en l'heure actuelle. Donc là, le complexe CRISPR-Cas9, donc la Cas9, c'est cette protéine-là. Donc là, vous voyez en flou, donc la protéine. Et ici, vous avez le guide qui correspond donc à mon bras. Donc les ciseaux et le bras. Ceci, ces deux entités vont... se mettre ensemble, et ici donc vous avez la petite séquence que l'on peut programmer. Donc cela forme ce complexe là, protéine guide, et donc ce complexe va aller sur l'ADN, se fixer spécifiquement à la zone que l'on aura définie au préalable sur cette petite séquence cible, ouvrir l'ADN et venir le couper spécifiquement. Lorsqu'il y a la coupure réalisée, cela crée donc une interruption. La cellule va faire des réparations, essayer de réparer comme elle peut et créer ici donc et rabouter donc les deux morceaux, mais cela crée une erreur. On peut aussi venir couper à deux endroits distincts, par exemple ici et ici. Donc ça vient couper, cela va enlever un gros morceau d'ADN, la cellule va venir refermer tout en naissant, donc ce qui crée une délétion. Ensuite, on peut aussi venir couper spécifiquement un endroit, venir avec un ADN exogène, un petit morceau, et cet ADN va pouvoir venir corriger l'endroit au niveau de la coupure. Donc vous voyez ici... Donc ça va venir en fait compléter directement. Donc si je prends comme exemple ce mot-là en fait en anglais, BIST, et que l'on vient couper avec CRISPR ce mot, on peut obtenir par substitution, donc un changement d'une lettre, on change totalement le sens de ce mot. De la même manière, si lors de la réparation, il y a une introduction d'une lettre, par exemple le R, de la bête, on passe... à breast, qui correspond au sein. Il peut aussi se produire une délétion, donc de beast on passe à best, et il peut aussi se passer une inversion lors de la coupure qui provoque bits. Et également, si l'on part, on coupe, on amène un petit ADN exogène ou un mot, on va dire, on change complètement le mot, par recombinaison, ce qu'on appelle par recombinaison. Alors, concrètement, si on ouvre le livre et qu'on lit la phrase « Le meilleur joueur de l'AS Monaco porte numéro 17, Alexander Golovin », on vient couper AS Monaco, la phrase ne veut plus rien dire. Maintenant, si on ouvre le livre et qu'on lit une autre phrase, et dans cette phrase, il y a une erreur. Le meilleur joueur de l'OGC Nice porte numéro 7, Alexander Golovin. Ça n'existe pas. On vient couper l'OGC Nice,
On apporte notre adexogène, il y a recombinaison homologue, et on arrive à corriger la phrase, et on a le meilleur joueur de l'AS Monaco, porte numéro 17, Alexander Golovin. Maintenant, je vous parle un peu de l'évolution de cette technique. La plupart des maladies génétiques humaines sont dues à une seule base, qui est C en A. Ça correspond à près de 50% des mutations que l'on retrouve dans l'ADN. L'idée géniale a été d'associer CRISPR, la protéine, à une autre petite protéine. Donc CRISPR, la protéine, donc les ciseaux ont été invalidés pour couper, c'est comme s'ils ne sont plus capables de couper, et on a associé à ça une autre petite molécule qui est capable de modifier une base. Donc là, vous avez un exemple. Donc ce complexe va de la même manière avec le guide, donc avec mon bras. Je vais venir avec mes ciseaux qui ne coupent plus et je vais venir spécifiquement reconnaître une base dans l'ADN et pouvoir la modifier. Je vous montre un exemple. Donc c'est, par exemple, dans votre ADN, il y a un point de mutation qui est ce A ici. Grâce à cette évolution de CRISPR, on va pouvoir venir modifier, déaminer le A qui va se transformer en G et provoquer la correction de cette base qui a été mutée dans l'ADN. Alors, de la même manière, une petite phrase, Chris est le papa de Léana née à Monaco, si les gens qui le connaissent savent qu'il est bien papa, mais qu'il n'est pas le papa de Léana, mais bien de Léane. Et si on vient modifier donc, du coup, le A, on peut corriger la phrase en Chris est le papa de Léane née à Monaco. Alors, les applications. Donc, Vincent, vous avez montré plein de couleurs tout à l'heure. Moi, je vous montre la couleur bleue. Donc ici, en fait, CRISPR, on est capable de pouvoir suivre une molécule grâce, entre guillemets, à ça, avec d'autres techniques qui existent, mais en tout cas. Donc là, par exemple, je vous montre, c'est un hydractinière. Donc on est capable de venir modifier une protéine présente dans le génome de cette hydractinière. Donc admettons, vous avez un gène qui code pour une protéine. Cette protéine, on va dire que c'est une voiture. Vous voulez suivre dans le temps ce que fait votre voiture, donc par exemple la suivre sur l'autoroute. Eh bien, grâce à CRISPR, on va venir couper à la fin de la protéine, donc de notre voiture. On va attacher la caravane, et la caravane, c'est cette couleur bleue. Et on va pouvoir la suivre en fonction du temps. Donc notre voiture avec la caravane sur l'autoroute, par exemple. Donc là, c'est ce que vous voyez exactement, ces petits points bleus qui bougent. Alors, vous avez bien compris que les applications, grâce à cette technique, sont énorme, à la fois dans le développement de drogues, des antibiotiques, pour faire créer aussi de nouveaux organes, dans de nombreux domaines de biotech et aussi en biologie en général. Il y a donc je mets zéro parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, beaucoup d'applications qui sont possibles. Des traitements contre le paludisme qui sont donc modifiés chez le moustique, en fait, pour qu'il ne soit plus vecteur, en fait, du paludisme. Créer de nouveaux antibiotiques. En effet, il faut savoir qu'à l'horizon 2050, la plupart des bactéries des souches importantes ne seront résistantes à tous les antibiotiques. En 2050, il va falloir de nouveaux antibiotiques. Ça peut être des antibiotiques naturels que l'on découvre, mais CRISPR pourrait se retourner contre les bactéries elles-mêmes, finalement. Recréer des espèces disparues, comme le mammouth. Docteur Church, qui travaille avec Fexang, souhaite en 2050 aussi, peut-être éventuellement, recréer le mammouth. Pourquoi pas, si on va jusqu'au bout, créer des espèces imaginaires. Et éventuellement, traiter des maladies héréditaires, donc touchées à l'embryon. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Les applications. Concrètement, nous, au laboratoire, donc admettons Gilles, Vincent, quelqu'un dans le laboratoire vient me voir et me dit « Écoute Jérôme, moi, dans ma cellule, je ne veux plus cette protéine-là. Il faut que tu cibles un gène X. Je veux l'enlever de ma cellule. » Ok. Il faut savoir aussi qu'au laboratoire, on a pu obtenir cette technique en 2013, donc assez proche de tout ce qui a été décrit. Voilà. Donc un chercheur vient me voir et me dit « Écoute, je veux invalider un gène, je ne veux plus la protéine. »
Donc je vais voir dans la, dans, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans les séquences disponibles sur Internet, donc c'est un peu de la bioinformatique, je vais voir les séquences du gène, et la plupart du temps, lorsqu'on veut faire un KO, donc une invalidation de gène, on va dans le tout début de la page qui va donner la protéine. Donc tout au début de ce gène. Il va falloir designer le guide, donc le bras, puis-je dire, moi je veux aller cibler ici spécifiquement, et choisir parmi une liste qui nous sort, et après réfléchir un peu, dire voilà, avec le recul du temps et de ce qui marche le mieux, on peut maintenant mieux cibler et est-ce que nos CRISPR fonctionnent mieux. Et ces petites séquences vont être mises dans ce qu'on appelle un plasmide, un peu ce que vous expliquez Vincent, ce qui sera mis dans la cellule en fait. Donc concrètement, comme vous montrez Vincent, donc j'ai mes cellules dans mon boîte de pétri, je vais injecter, comme j'injecte avec une seringue, mon complexe CRISPR-Cas9 avec le guide. Donc j'aurai mes cellules vertes. Ces cellules vertes vont être triées au fax, une par une, dans une plaque comme ça. Chaque puits recevra une cellule qui, elle, aura donc reçu bien tout ce système-là. Et concrètement, à la fin, je regarde si, oui ou non, j'ai encore ma protéine. Si oui ou non, j'ai encore ma voiture, finalement, la machine. Donc là, ici, vous voyez ces bandes noires ici, j'ai encore présence de ma protéine. Et dans ces clones-là, vous n'avez plus de signal, plus de voiture, tout simplement. Donc ces clones-là ont été invalidés pour cette protéine. Alors, à me dire, c'est bien, vous enlevez ça, c'est bien. Pourquoi ? Nous, ça nous aide à mieux étudier, par exemple, le métabolisme de la cellule, ou encore, peut-être, nous dire, eh bien, tiens, si j'enlève cette molécule-là, ma cellule se comporte mal, donc peut-être il faudrait développer une drogue dirigée contre cette protéine-là. Alors, cette technique, ça a été un gain de temps, parce que pour faire une invalidation de gène, donc enlever une protéine d'une cellule, avant il fallait compter 3 ans, peut-être je suis encore loin du compte, peut-être même plus. Et maintenant, c'est 2 à 6 mois, grâce à cette technique. Et le coût, qui est énorme. 15 000, là aussi, je pense que je suis encore loin du compte, peut-être. Et maintenant, ça, en général, il faut compter 200 euros. Voilà. Donc, en clinique, désormais, donc, on est capable, donc, comme je vous ai dit, donc, de cibler spécifiquement quelque chose. Donc, on peut créer ces complexes en laboratoire, à l'extérieur, donc directement avoir ces couples protéines guides, et prendre des cellules de patients et dire, je vais cibler spécifiquement quelque chose, comme vous disait Gilles tout à l'heure. Donc par exemple, si on ciblait PD1 dans les lymphocytes T, et donc ça fait des cellules de patients modifiées qu'on peut réinjecter après à celui-ci. Donc en fait, c'est prendre les cellules, les modifier et les réinjecter. De la même manière, on peut prendre des véhicules, tout simplement, des petites molécules qui vont être capables de cibler un organe bien particulier. Concrètement, en clinique, il y a un traitement de la bêta-thalassémie. Donc, c'est une maladie de l'hémoglobine, donc l'hémoglobine présente dans le globule rouge. Donc, elles sont moins capables de fixer l'oxygène. Il y a un essai préclinique de cette société CRISPR Therapeutics de Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui s'appelle CTX001, pour le petit nom. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent des cellules souches de patients, il est trié au fax, comme on a pu monter. Ces cellules vont être modifiées par CRISPR-Cas9, ils vont corriger la mutation et vont réinjecter ces cellules-là au patient. Alors, ce sont des essais qui sont en cours, et à l'heure actuelle, ça coûte très, très cher, ce genre de démarche, mais il reste assez encourageant, et même très encourageant. Espoir aussi en biotechnologie, où récemment, des chercheurs ont créé des hydrogels, donc contenant des molécules d'ADN, cet ADN piégeant des véhicules, des drogues, tout simplement. Et si l'on amène, par exemple, CRISPR, ça vient couper l'ADN, à un moment donné, à un temps donné, à un organe donné, par exemple, spécifiquement, et va à l'instant donné et où l'on va délivrer les ciseaux, va venir couper l'ADN et permettre la relargation des drogues. Alors, j'aime bien cette publication parce qu'on retrouve CRISPR partout, finalement.
dans tous les laboratoires, forcément. Mais devons-nous transformer la vie à cause de ça ou grâce à ça? Voilà. Est-ce que nous devons le faire? Donc, là, on se pose un problème éthique. Et il y a des limites éthiques à ne pas franchir qui a été fait en Chine, où ils ont modifié des embryons humains, tout simplement, malheureusement, je dirais. Donc depuis ça, et depuis le tollé que ça a provoqué dans la communauté scientifique, ils ont eux aussi mis des règles, également en Russie. Donc il faut faire attention, parce que si l'on modifie l'embryon, on peut dire, moi je veux choisir que mon enfant ait les yeux bleus, un meilleur QI, etc., etc., etc. Donc, voilà, we can now engineer the human race. On peut ingénierer l'espèce humaine. Donc avec ça, il faut prendre beaucoup de recul. Et sur cette diapo, ça me permet de vous présenter donc, nos laboratoires qui sont situés sur le quai Antoine Ier. Et donc vous pouvez nous rendre visite sur cette adresse web, lecentrescientifique.mc. Et donc, comme le disait le professeur Rampal, il y a trois départements, biologie polaire, biologie marine et biologie médicale. Et je vous remercie de votre attention.